Oui, pour le canal 19, les 73-51 de Dandy 33 sur la rocade. Ok. Alors, comment ça va? T'as passé une bonne nuit au travail? Ah ben, t'as tout compris. Je débauche de Mérignac, là. Et là, je sors juste là des bouchons. Oh putain, la vache, et puis dans l'autre sens, c'est même pas la peine. Hein. Dans les bouchons, alors là je sais pas du tout où on est, dans le Haut-Narmont. Ok, d'accord. Eh bien là je suis en direction du pont d'Aquitaine, donc je vais dans ta direction. Ok. Parce que là, toi tu vas dans quelle direction? D'accord, par le pont d'Aquitaine ou un autre pont? Là, on est à Senon, ville de Senon, après la Bétinière. Ah oui, d'accord, donc tu tournes par l'autre côté alors. Ok, d'accord, je vois. Ben, on se croisera pas alors. Enfin, c'est pas parti pour en tout cas. Ouais, à chaque fois, on se croise jamais. On s'entend, mais on se croise pas. Oui, mais bon, je suis quand même étonné quand je vois le signal. J'ai pas mes lunettes, j'ai pas mes yeux sur les lunettes, hachis, mais quand je vois le signal, comment il monte, j'ai l'impression que t'es pas loin de moi. Alors, de mon côté, ça m'arrive pas quand tu entends. Oui, ben, oui, voilà, hein. Et là, je suis. Je viens de passer là, pas loin d'IKEA, à la Bordeneur. Et je suis pratiquement rendu là, au pied du pont d'Aquitaine. Ah ben, on doit pas être très loin du pont d'Aquitaine. Ah ben, oui. Ah oui, parce que là, je suis à deux doigts d'attaquer la montée. Hein. Ah, je sais pas si tu vois, on est au niveau de la gare de Senon. Important, non, je connais pas du tout, mais bon, ce nom, je vois où c'est à dire après l'Hormont. Je suis quand même étonné, quoi. Marche bien le poste, il marche bien. Ah, ben, j'ai la boîte de miroir, hein, comme tu dis. Ah, putain, j'ai un concurrent, moi aussi. Ouais, mais bon, je tourne qu'à moitié régime. Hein. Et encore, quand je dis moitié régime, position 5, et je rentre dedans à moitié régime. Alors, toi, c'est ce qui fait qu'en sortie, c'est même pas la moitié. Quoi. Alors, je rentre dedans à 5 watts et je suis en position 3. Ah, oui, d'accord. Ouais, je rentre pareil, ouais, autour de ça, ouais. Et position 5. Voilà. Et c'est le moment du tout, c'est le B3. D'accord, 750p de mon côté. Je suis en haut du pont d'Aquitaine. Ah, j'arrive à aimer le trouver, mais je sais plus. Ça commence à... Alors dans mon sens, ça va, ça roule, même s'il y a du monde. Par contre, dans l'autre sens, waouh. Alors ceux qui arrivent de Paris, là, ça ne doit pas être triste, là, un petit peu plus loin. Là. Eh bien, ah ouais. Mais qu'est-ce qu'ils ont tous à venir bosser sur Bordeaux, quoi? Ah, c'est le demander. Ah, tu m'étonnes. Et en plus de ça, il y a un peu de brouillard. Bon, en tout cas, là, t'as pris la route à quelle heure? On est parti à 7h15 de Coutras. Ok, d'accord. Et bien, toi, j'ai débouché à 7h30. Ouais. Et là, je vois la 8h10, là, quasiment. Bon, ça va, ça, de mon côté, ça a bien roulé, en tout cas. Je vais t'as
c'est un petit peu sourd au niveau de la modulation là, on a l'impression des fois que tu as un mouchoir là dessus. Ah oui, c'est vrai, c'est ce fameux micro que tu es obligé de manger pour parler dedans. Moi. Le micro il est à fond, j'ai trouvé un autre micro en pré-amplique, j'avais la hybride. Là je suis en position 10 sur le micro, il est à fond, la manette est à fond. Ça donne pas les bases des basses. Hein. C'est le même micro pré-amplique de Cobra. Ok, oui, ils ont une jolie gueule ceux-là en plus. Non, par contre, là, c'est une pastille plutôt qui devrait taper dans les aigus qu'il te faudrait, là. Ah oui, là, oui, ça serait... Il y aurait du changement. Alors, c'est juste... j'y connais rien en électronique, hein, mais à mon avis, c'est juste une bidouille à faire au niveau... peut-être changer la pastille elle-même, je sais pas trop, hein. Mais ça doit pas être grand-chose à faire, hein, dessus, hein. Mais là, ouais, il te faudrait plus d'aigus, là, quand même. J'ai des autres micros. Le truc, c'est qu'il faut que je change la prise de la chambre d'écho, c'est la boîte du boîtier. Voilà. Ok, bah, la chambre d'écho, tu ne l'as pas là en tout cas. Alors, la chambre d'écho, je l'ai mis à zéro. Sinon, je peux te la remettre. Hein. Là, j'ai la chambre d'écho, là. Ok, baisse un petit poil l'écho pour voir. Je suis en bas de la sortie 26, là j'ai du QRM. J'arrive pas à bien écouter là pour le moment. Que je me sorte de là. Alors attends, voilà, c'est reparti. Que j'attaque la montée. Alors, attends que je puisse voir ça. Voilà, je suis en train d'attaquer la montée là, de la sortie 26. Là je pense que là ça devrait être plus QRO. Hein. Ok, là, je t'entends, là. Il n'y a pas de soucis. Ah, ça a l'air d'aller, là. Ouais, vas-y, reprends le micro pour voir. Je module, et je fais des grosses bidules. Eh bien, ne touche plus au réglage. Ça relève la voix, je te comprends mieux, et l'écho, là, absolument pas du tout dérangeant, c'est nickel. D'ailleurs, si ça ne te dérange pas, là, je suis en train de faire une vidéo. Dès que je t'ai entendu tout à l'heure, paf, j'ai enclenché les caméras. Et tu pourras voir un petit peu ce que ça donne. Là, perso, voilà, comme ça, je trouve que c'est nickel. Ok, non, t'inquiète pas, ça ne me dérange pas. Il n'y a pas de souci pour ça. Ok, là, encore, là, il serait un petit poil haut. Mais encore, bon, là, ça va. Parce que, bon, j'ai monté le volume de mon côté, là, pour qu'on entende bien. Et j'aurais presque envie de dire un petit millimètre en moins. Et ça devrait être nickel. Ok, là, je vais redresser un tout petit poil. Mais ça va être dur de ne pas toucher au bouton, parce que pour éteindre le boîtier, il faut le mettre en position 0, ce bouton-là. Ok, tu mets un repère à coup de marqueur à la largeur du doigt sur le côté du bouton. D'accord, je vois le truc. Ok, parce que là c'est nickel. Hein. C'est vrai que t'as pas un bouton marche arrêt à bascule dessus. Ça, par contre, c'est chiant. Ouais, je pensais qu'il allait avoir ça, mais non, c'est avec le volume de l'écho que tu fais à 9. Ça fait un petit peu comme quand tu augmentes le volume, t'as le 9 dessus. Ouais, j'ai bien compris, c'est un volume marche arrêt tout simplement qu'il y a dessus. D'accord, je suis là sur un National 89, là, je viens de...
Voilà, je suis en train de passer à côté de Courtepaille, voilà, c'est ça. Non, parce que là, tu vois, là c'est dommage, parce que là, le réglage, il est nickel, il est pile poil comme il faut. Ouais, j'ai un petit peu le style de la avec le petit curseur, là, pour continuer où. Ok, attends, il y en a un qui m'a fait un appel de phare derrière. Si ça se trouve, il est sur la CB, je sais pas, je devrais être en train de le perturber, quoi. Ok, affirmatif, ouais. Bon, l'appel de phare n'était pas pour moi. Il est 73-51 à la station, là, de la part de Dandy 33. Eh bien, voilà, je m'éloigne, c'est nickel. T'es juste derrière ton collègue ici. Ouais, ça doit être lui. Ouais, ça s'entend que tu t'éloignes. Ouais, il est temps que je m'éloigne, que je mette un petit peu de distance. 5000 pattes qui est juste derrière moi. Voilà, il a rattrapé son collègue. Putain, comment il m'a éclairé le bouche. Il a filé un appel de phare pour lui montrer qu'il était là. Ouais, ça doit être ça. Putain, j'ai vu comme en plein jour là dans le bouche, là, pour le coup. C'est bon, je l'aperçois presque plus derrière. C'est bon. Putain, ce brouillard qu'il y a ce matin. Bon, comme c'est là, t'es dans une zone de QRM, tu m'entends plus. Ouais, moi c'est pareil. Ok, on va arrêter là. Les bonnes 113-51 à toi. La bonne journée. Et à la prochaine. Ok, 73, ok, on va voir sur la route. Et un peu de soucis, à la prochaine. Ça marche, bonne journée, bye bye. Ils sont où Vous avez vu qu'il y a quand même du monde, hein. Le problème, c'est que ben, tout le monde ne prend pas de micro. Ah bon, ils ont vu qu'ils n'étaient pas tout seuls. C'est déjà ça. C'est en train de jouer à cache-cache. Ah, je plaisante. Ça trouve son collègue, il a même pas la CB. Je vais pas les trouver. Ou c'est moi ça. J'avais entendu comme moi, hein. Quand je passe sur les différents ponts là, qu'il y a sur la rocade de Libourne, avec des ponts en béton armé, ça me fait monter le volume. Si je m'arrête dessus, là, ils vont pas être contents. Bon, ben, c'est raté pour ce coup-ci.
bien là. Oh, il y a tout le monde. À rester dessus un peu comme ça. On essaie de découvrir. Découvrir un peu plus. Là, les modulations là, ça me dit rien du tout là. Pas étonné que ce soit une carrière, quelque chose comme ça. Ouais. Ouais, à mon avis, c'est ça. Ça doit être une carrière. Après la CB loisir, la CB utile. Ah, j'ai entendu un retour bip, un multi-bip. C'était juste avant de redémarrer la vidéo. Un petit peu de moustache de lointain. Toujours 10 YL sur la CB.
Simpson, Simpson visé par le 8-4. Et on a fait 8h, midi, 13h30. On s'est arrêté pendant 1h parce qu'on avait un problème sur cette voie. C'est bien ça. Et on a arrêté en fait, on a passé l'heure. Et carrière avec camion Ben. Voilà. Faut surtout pas les déranger. Ça serait pas correct. Certains auraient envie de dire ils ont qu'à se mettre sur des fréquences pro. Ben pas forcément parce qu'ils sont sur la route et ça fait aussi partie de la CIMI. Hein. Il suffit de regarder du côté du Québec, Canada, États-Unis et ailleurs. Ceux qui sont sur la route bien souvent utilisent la CIMI. Hein. La CIMI n'est pas que. La CIBI n'est pas que loisir. D'accord. Quand tout le monde dit ce qu'ils font, c'est légal. Et t'avais dit que je venais là ? Ah, d'accord. J'ai mis 600 kilos, s'il te plaît. Il est pas loin. Hein. C'est intéressant de voir comment, au niveau de la base, ils sont installés. Et à l'entrée de la carrière, est-ce qu'il y a comme au Québec, au Canada, un panneau indiquant sur quel canal ils sont ? Là-bas, ça se fait, pourquoi pas ici ?
toujours 44 440. Ben voilà, c'est sûr que c'est la même chose qui déconne, qui s'est enlevé, on va dire, ouais, 400 kilos à peu près. Il s'est pas rangé lui, hein. La vache. C'est matériel, je veux dire, à l'œil, bon, tu peux pas chiffrer exactement, mais là c'est matériel. J'ai eu son envie, il me marquait encore 40 tonnes, 440 tonnes, c'est vraiment pas ça peut être. Hier soir ici, c'était saturé de QRM. Bon. L'éclairage public qui a été mis là, c'est des éclairages à LED. Là, il n'y a plus rien.